À un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Le boson de Higgs, ça a duré combien de temps aux infos? 3 jours. Philae, 5. François Hollande qui emmène des croissants à Julie Gaillet en scooter, ça fait quoi? 1 mois? Ouais, c'est pas faux. Essaye de sauter l'étape cerveau pour aller au cœur. Pas opposer l'art et la science. Je crois que les maths, c'est très humain, la musique, c'est très humain, et ça n'est interdit à personne, surtout. Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas, en fait. On n'oblige personne à avorter. S'ils n'ont pas envie d'avorter, ils n'avortent pas. S'ils n'ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils ne le font pas. Ça ne les concerne pas. C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres, alors que ça ne les touche pas. J'aime faire du cinéma, le milieu du cinéma me gonfle. J'aime faire du théâtre, le milieu du théâtre me gâche la vie. Parce que je crois que j'aime les gens qui signent en solitaire leur truc. Et qu'à partir du moment où on parle de milieu, on parle de courant. Et je pense que c'est la mort d'une discipline. Et en fait, son premier besoin au public, qu'il le sache ou non, c'est d'être surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas et avec qui il n'avait aucune familiarité. Et ça, la surprise, ça s'organise. Donc je ne ferai jamais, 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 jamais ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire rester où on est, rester chez soi, rester dans sa nature, surtout pas ambitionner quoi que ce soit plus... Non, ça me fait chier. Très honnêtement, ça me fait chier. Je suis extrêmement fier d'être prétentieux. Je veux faire des grands trucs. Les petits trucs m'intéressent moins que les grands. La religion, ça doit être déjà, c'est personnel, c'est discret, c'est bon vouloir de chacun, c'est pas une obligation et c'est en aucun cas une parole politique, quoi. Les gens aiment bien l'idée qu'on puisse leur mentir à grande échelle. Ils aiment bien l'idée parce que je pense que la position de rebelle et de héros découvreur de mensonges est une bonne position pour certaines personnes qui se sentent plus vivants comme ça. C'est compliqué parce que c'est très très séduisant. Quand on s'occupe d'un artiste, même si j'aime pas le mot, il faut tout prendre. Il faut prendre ce qu'il a de joli, il faut prendre ce qu'il a de moche, il faut prendre ce qu'il a de triste, il faut prendre ce qu'il a de gay, et il faut prendre ce qui, a priori, n'est pas bien. Parce qu'un artiste signe tout, et s'il signe pas tout, il se désintègre. Vous croyez qu'un jour ça sera possible d'aller dans l'espace? En tout cas, si un coup de pied au cul suffisait, vous y seriez déjà.